Pourquoi est-ce que tous les blancs ne sont pas comme Crystal Cross et Auntie Trina? Pourquoi est-ce que tous les blancs ne sont pas comme Crystal Cross et Auntie Trina? Si tous les blancs étaient comme ces deux femmes-là, on n'aura pas ces problèmes. Bienvenue sur ma chaîne Edouva, je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Si tu es nouvelle, bienvenue. Si tu es ancienne, bienvenue encore à la maison. Pour le nouvel mois, c'est Pauline. Tatapo, eh oui, call me Tatapo. Alors aujourd'hui, attends, avant d'abord de commencer, si tu n'es pas encore souscrit, qu'est-ce que tu attends? Souscris, avant de continuer, souscris. Alors, j'ai pris un peu congé, 2 ou 3 jours. Oh my God, it feels so good de ne pas faire l'editing, de ne pas faire des montages, juste là, je faisais d'autres choses. J'étais là, sur YouTube, j'étais là, mais c'est juste que non, je n'ai pas eu des vidéos de 7 à 4 heures à faire le montage et c'était vraiment un feeling good, I was feeling good. Alors, je vais arrêter de blablater pour commencer cette histoire. Alors, cette histoire m'a été envoyée par l'une de vous qui m'a dit, Tatapo, you need to talk about this. Tu dois parler de ça. Parce que je ne sais pas pourquoi est-ce que ça se passe ici en France. Et je ne suis pas contente du tout. Je veux que tu parles de ça. Et je me suis dit, ouais, Pauline, comme tu finis de filmer aujourd'hui, pourquoi pas parler de ça? Comme tu as un peu le temps. On va parler aujourd'hui la nuit des noirs. You know, le carnaval de Dunkerque. Dunkerque. Chez nous, ici en anglais, je vais prononcer ça Dunkerque. Parce que c'est D-U. Et en anglais, directement, c'est Da. Dunkerque. Dunkerque. I don't care how I pronounce it. Alors, cet événement se passe en France. Et ça fait déjà 50 ans que ça existe. Donc, chaque année, les blancs, you know, partent à ces carnivals. Et aussi, ils se déguisent en noir. Ils se peignent les visages, comme vous êtes en train de voir sur l'écran. Moi, je ne trouve pas que nous, on a de lèvres comme ça jusqu'ici. Ou on a de sourcils jusqu'ici. Je ne trouve pas... Même si vous essayez de faire les blackface là. Même si tu veux te... How do I say it? Même si tu veux te peindre en noir, pourquoi tu dois exagérer le quoi? Le lèvre, les tout. Pourquoi tu dois mettre ça moche? Après tout ce qui vient de se passer avec le blackface l'année passée, je ne sais pas si... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus que ça continue. Et il y a... L'organisateur de cet événement a dit que non, je vais mettre l'article ici, que non, pourquoi stopper? Parce qu'il y a aussi des noirs qui sont aussi dans le carnaval, quoi. Il y a des noirs qui viennent aussi participer au carnaval. Moi, je dis, d'abord, premièrement, ça peut être stoppé parce que l'esclavagisme a duré 400 ans et ça a été aboli. Donc, rien n'est impossible sur cette terre. Si l'esclavagisme a été aboli, ça peut être aussi aboli ou ça peut être aussi stoppé. Deuxièmement, pour les noirs qui viennent aussi se mélanger à vous dans ces genres de carnaval, c'est comme toujours la réponse de blancs qui disent que toujours, lorsque tu dis à un blanc que tu es raciste, oh non, ma cousine, elle a un enfant qui est moitié noir, moitié... Ce sont des genres de réponses, quoi. Parce que il y a les noirs qui sont les noirs. Les noirs des maisons, quoi. Ils aiment être acceptés par des blancs et ils sont capables de faire tout pour plaire aux blancs. You know, c'est toujours comme ça. Donc, pour les noirs, c'est pas parce qu'il y a 2 ou 3 noirs qui viennent là. Cela n'est pas la voix de la majorité des noirs qui sont contre ça. Donc, ce sont deux choses qui ne sont pas du tout. You know, it does not go together. So, you need to get your things together. Moi, nous tous, on connaît l'objectif. L'objectif est toujours de rendre quelque chose, toute chose qui est noire, d'être vraiment scary, dégoûtant, bizarre et tout et tout. Parce que moi, si je veux me déguiser, par exemple, en indienne, vous voyez, lorsque les femmes noires se déguisent en indienne, elles portent les habits des indiennes, le... Comment est-ce qu'on dit? Les bijoux et tout, c'est classe. Tu te déguises à quelque chose, à la culture. Pourquoi est-ce que vous vous déguisez seulement en mettant vos
fort, vos visages bizarres, la peau même, même les déguisements, ça dégoûte à voir. Donc, nous tous, on connaît déjà l'idée. Backstory. Vous nous donnez ça, mais nous, on connaît what do you guys really mean by doing that, ok? On comprend déjà tout. Parce que lorsque, si on part derrière au 14e siècle, lorsque les blackface a été, lorsqu'on a commencé les blackface, c'était juste pour se moquer des noirs. Parce qu'à ce temps-là, vraiment, au 14e siècle, quel est ce noir qui va dire à un blanc que non, arrête de te moquer de moi, hein? Come on. Il faisait ça et lorsque quelqu'un s'est déguisé comme ça, c'était « Oh my God, tu ressembles au macaque !»« Et regardez, tu ressembles au monkey !» C'était pour faire rire, tu vois. Donc, c'était pour se moquer des noirs, donc c'était pour leur amusement. Ça, c'est la peinture, ceux qui sont en train de mettre « Notre peau ne brille pas comme ça !» Notre peau ne brille pas comme ça. Nous avons une très belle peau. Donc, pourquoi tu vas mettre les goudrons sur toi? Non, vous vous bronzez déjà. Et lorsque vous vous bronzez, vous vous noircissez. Et lorsque vous vous noircissez, vous voyez l'effet. Que non, nous n'avons pas la couleur que je suis en train de voir là. Excusez, je suis en train de lire aussi l'article. Je vais vous laisser l'article là, vous allez voir. Si vous regardez les déguisements de Dave Chappelle, vous allez voir que non, c'est un bon déguisement. C'est vraiment classe et tout. Mais lorsque vous vous déguisez en noir, c'est toujours avec des formes bizarres, du genre faire peur, du genre satanique et tout et tout. Why? Parce que les noirs ne sont pas comme ça. Donc pour moi, je trouve que non, vous déguisez en noir avec l'idée. You have a back story, back your mind. Vous voulez vous moquer. C'est ça qui cause tort. C'est pour ça que aussi les gens s'énervent. Et les gens s'énervent parce que le but de Dave Chappelle de se déguiser. Je partais même vite. Le but de Dave Chappelle de se déguiser en blanc n'est pas pour nuire. Non, il fait ça pour, il imite le journaliste particulier. Un journaliste particulier. Comment est-ce que la personne parle? Comment est-ce que la personne fait les formations? Mais vous, vous ne faites pas ça. Non, vous vous généralisez. À l'origine, des blackface n'étaient pas seulement pour s'amuser ou pour ne pas causer du tort. Non, le but de blackface était pour causer du tort, pour que l'homme noir se sent vraiment inférieur, pour que l'homme noir se voit que non, regardez comme tu ressembles. Tu vois, tu ressembles à un macaque et tout et tout. Je ne veux plus parler de ça vraiment en 2018 parce que je trouve que non, on a assez bien, on a assez parlé de ça pendant longtemps. Si tu veux continuer à voir les hommes noirs comme des singes, ça c'est problème. Ou si tu veux continuer à appuyer ce genre de comportement, c'est ton problème. Je trouve seulement, même ce que Dave Chappelle fait, je n'aime pas, j'ai déjà dit sur ma chaîne que non, une race d'une race d'une personne n'est pas un costume qui va commencer à faire une autre. Non, chacun sa race et on doit se respecter. Je sais pas, vous qui êtes en France, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de cet événement? Qu'est-ce que vous comptez faire à propos de cet événement? Vous trouvez que c'est les blackface ou non? Ou soit ils doivent continuer avec leur tradition parce que ça fait déjà 50 ans qu'ils font ça? Est-ce qu'on est en train juste de parler beaucoup? Est-ce qu'on ne sait pas comment blaguer? Et tout, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Je voulais juste vous dire que non, ça fait polémique. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout content que ça continue. Alors vraiment, j'espère que non, j'aurai vos opinions en bas. Et là, je suis de retour, je suis fraîche. I am so fly. Alors n'hésitez pas à désouscrire, like it, et on se retrouve pour une autre vidéo, les divas. Ciao ciao.